Hey tout le monde, c'est Frigan. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo qui n'est pas un de mes let's play ni un live sur Call of Duty, mais qui est bien le secret complet expliqué de la map zombie de Call of Duty Black Ops, Shangri-La. Donc il y aura 3 personnes qui vont m'accompagner durant tout ce live. Je tiens à les remercier énormément, car sans eux, je n'aurais évidemment jamais réussi. Il s'agit donc de Sidias, Dr. Sidias, de Riots, et de Dark Majesty, ou Pera Majesty, ou Majesty tout simplement. Je tente, comme vous l'avez remarqué, d'envoyer cette vidéo à code CF. Vous aurez pu le remarquer donc à l'intro du début et à ma présentation, ce que je ne fais jamais, sauf quand j'envoie une vidéo à une autre personne. J'espère que cette vidéo code CF la prendra. J'espère qu'elle vous plaira, que vous prendrez du plaisir et que vous apprendrez quelque chose. N'oubliez pas de faire la formule qui est j'aime, plus commentaire, plus favori, plus s'abonner à ma chaîne ainsi qu'à celle de code CF. On passe tout de suite à la première étape. Prenez soin de vous et à la prochaine. Donc dans cette première étape, il faut tout d'abord activer le mode nuit qu'il faut faire à chaque début d'étape. Donc pour activer le mode nuit, il suffit juste d'aller au spawn qu'il y ait 4 joueurs. Forcément 4 joueurs, il faut être 4 pour réaliser le secret. Et il faut que ces 4 joueurs appuient sur le bouton carré ou croix, enfin ou X pardon, en même temps juste en face des 4 boutons qui sont placés juste à côté du Quick Revive. Ensuite, vous devrez aller chacun d'un côté, donc un joueur d'une ouverture et un joueur de l'autre, pour faire un jeu de dalles. Donc, durant ce jeu de dalles, il y aura 12 dalles. Il y a la lettre D, la lune, la lettre T avec une barre à coupant au milieu, 3 points, une forme de losange, une grille, une Pokéball, le logo Chanel, un cercle avec un pont au milieu, un astérisque, le symbole de la femme ou de la femelle. Et enfin, un triangle. Avec ces 12 dalles, il y aura 2 partenaires. Un partenaire qui liera dans la partie de gauche et un partenaire dans la partie de droite. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y en a un des deux qui doit monter sur la dalle, observer le symbole, redescendre de la dalle, le dire à son camarade et laisser son camarade chercher ce symbole. Une fois que son camarade aura trouvé ce symbole, ils doivent monter tous les deux en même temps sur la dalle et reproduire ça 12 fois pour éliminer toutes les dalles. Je vous laisse maintenant en compagnie de nouveau en live et du gameplay. 3, 2, 1, go. Alors, Riyad et Majesty, vous savez ce que vous avez à faire. Le rempart, il est là. Vas-y, Majesty, amène-le. Oh. Optime. Vas-y, Alex. Écoutez, il y a quelqu'un derrière ce mur. Nous sommes passés par un genre de mécanisme que vous avez réussi. Putain, le con, une fois ça m'arrivait, je saute dessus, donc je fais un... La pierre bouge. Non. La lune, attends. Je fais un plongeon au-dessus du zombie, et je le tue. Ah ouais? Ouais. Tu peux le tuer en faisant plongeon? J'ai la lune. Au-dessus. Oui, si tu sautes trop tôt et que... Le T avec la barre au milieu. Ok, les gars, arrêtez de trop parler parce que j'arrive pas à entendre Alex très bien. Je crois qu'il est là. Oh, je l'ai. Parfait. Ça a marché. Tire sur le con. Les 3 petits points. On se l'a fait à deux. Oh. Aïe. Elle est violente. Elle est un peu sadomaso. Je l'ai, les 3 petits points. Ça a marché. Ah. Le losange. Ah, oh, j'étais là. Ah, désolé. J'ai allé le losange. J'étais bloqué. Attends, je l'emmène un peu. La grille. Je l'ai. La Pokéball. Je suis le seul techno avec mort. Putain, j'ai perdu tes points. J'ai la Pokéball. Désolé, hein. Oui, techno, c'est une expression belge. Le truc de Dylan avec les arcs de cercle. Je pense. C'est le logo Chanel, c'est pas le truc de Dylan. Ouais. Ah, je crois qu'il est là, il me semble. Ah, c'est le logo Chanel. Ouais. D'accord. La espèce de cercle avec un point au milieu. Il me semble que je l'ai vu. Bon, les mecs, groupe, bougez votre cul, j'aimerais le faire en une nuit, ça quand même. Quand je l'ai. Le dièse. Et les gars, si vous parlez pas, c'est quoi dièse? L'étoile. Oh. Ah ouais, c'est que dièse, ah oui, c'est ça. Oui, désolé, ouais. J'ai l'étoile.
C'est Astérix, ça, Alex. La femme. Je l'ai. Toute nue ou habillée en Chanel? Déshabillée. Il en manque une. Le triangle. Enfin, habillée qui se déshabille. Ah. J'ai. La nôtre, elle est habillée. Oh, hein. Voilà, donc la première étape terminée. Bon, on a géré. Hein. Ah, ok, allez, on venait. Oh, bravo, Majesty. Félicitations, tu veux te faire la main pour ma future femme. Attendez, je vais montrer la boule à la caméra. Première étape terminée. Assez simple quand même. On passe tout de suite à la seconde étape, qui est la plus simple. Hein. Il suffit juste de se mettre... à 4 devant le toboggan, il y en a 3 qui tombent, et une fois que les 3 sont tombés, ils ne doivent plus bouger, ils peuvent peut-être tourner leur caméra, j'en suis pas sûr, ils ne doivent pas avancer, ni reculer, ni tourner à gauche, ni à droite, et une fois qu'ils seront tombés, ils le diront, et le quatrième joueur va plonger, et va tout seul activer une petite poignée. Alors, vous 3, vous y allez, et une fois que vous êtes en bas, vous ne bougez plus. Allez-y tous les 3. Ah mais lui ou l'autre? Ah il est là. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il fallait plus qu'on bouge par contre. Bah pour faire un poids sur l'arrivée et... Enfin je sais pas moi, c'est le secret. Vous me dites, vous y êtes, vous dites ok. Ok, ok, ok. Non. Pas du tout, ah, prêt. Dis 3, ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc ici, voilà, ici vous pouvez assez apercevoir. Attendez, j'ai activé, c'est bon pour tourner bah maintenant, voilà. Ensuite, bah là, il nous faudrait l'arme. Ryan, tu vas l'attendre qu'il théorie sur la facilité de l'étape numéro 2 est non confirmée. Pour l'étape numéro 3, il vous faut impérativement au moins une grenade. Et surtout, la master weapon de la map, Shangri-La, qui est donc le 31-79-JGB-215 qu'on peut trouver donc dans la boîte mystère. Une fois que vous l'aurez, il suffira juste de jeter une grenade à un moment où il y aura une explosion. Comme ça, la boule tombera, de tirer sur la boule avec l'arme, et ensuite de la cuter, puis de la suivre. Vous arrêtez devant. Alex, sort son arme. Ah oui, pour être sur la boule. Voilà. Et okay. Là, elle est là. Donc, attendez, bougez pas, je lance une grenade dessus. Faut la faire tomber. Et moi, je vais la rétrécir, elle va aller dans le voyant d'elle, c'est ma technique. C'est trop classe. Ouais. Et non mais je remonte juste. Elle va aller. Ouais, attends, et là vous avez dit quoi là? Là en fait on a rétréci et là faut donner un coup de couteau dedans. Et après bon on la suit et voilà. Ouais, elle va dans le toboggan là, elle est trop classe. Et là normalement on la trace mais en mode bourrin. Voilà. Et là après vous allez me suivre et je vais vous montrer où est-ce qu'elle va arriver. Donc venez vite. Rayat. On a de la chance. Là regardez, visez la lune. Et voilà, elle est là, elle arrive. Okay. Voilà donc, la troisième étape est terminée, maintenant on arrive à la plus compliquée, c'est Alex, l'homme de fou. Venez au toboggan. Donc, troisième étape, encore une fois, très 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 simple, mais les choses commencent à se compliquer dès maintenant à la quatrième étape. Sur cette étape, il vous faudra trouver une technique pour pouvoir tuer plein de zombies, faire des repas, et attendre qu'un homme de feu ou un zombie de feu approche de vous. Pour nous, la technique, c'était de traîner autour du toboggan. Dès qu'on le voit, on se le dit. Et on commence à courir. Donc, on court un peu partout. On active la nuit. Et on le fait passer dans un chemin. Donc, il faudra le faire passer à l'entrée de la grotte où il y a le MPL. Pour le faire passer dans ensuite trois petits chemins. Retourner à l'endroit où on a tourné les valves à l'entrée du MPL. Puis, activer une poignée et l'étape sera terminée. On attend tous les trois là où je suis. Attendez, tous les trois là où je suis. Donc, l'homme de feu, il est là-bas. Cydia, tu vas mourir. Ok, je vois, il arrive. Non. Descendez, les gars, descendez. Greg, actionne bien le levier, si je le fais pour toi. Bah, tourne-le une fois. Alex, vas-y, tourne-le une fois. Je vais tourner deux fois. Tourne encore. C'est bon, voilà. Non. Vers toi. Venez, les gars, venez, descendez. Commence à descendre, il est avec moi, le zombie feu. Et là, je m'occupe de faire la suite de l'étape. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire passer le zombie feu dans... Il est derrière moi. Mais il est avec moi, le zombie feu. Mais je sais pas, je brûlais. Mais oui, t'as vu, ça m'arrive aussi, c'est bizarre. Ouais. Et tu l'as encore.
Attention, Silas. Il y a un petit feu, les gars. Donc, il a fait brûler la première fuite de gaz. Les gars, cassez-vous de l'autre côté, vite. T'inquiète. Alex, vas-y, va-t'en. Passez par là-bas. Allez-y, voilà. Donc, non, heureusement, c'est moi qui gère, quand même. Donc, oh, putain, merde. Donc, là, c'est pas où qu'on passe, là, déjà? Vous allez vers l'électricité. Avance. Mais même... Putain, merde, il vient vers toi, connard. C'est bon, il l'a fait passer. Les gars, non, on y va. Oh, vas-y, il est avec moi, le zombie, ça va pas faire. C'est pour ça que c'est ce que j'essaie de t'expliquer, barre-toi un peu. Vas-y. Prends-le. Amène-le à droite. Tombe pas là. C'est bon, vas-y. Vas-y, barre-toi, toi. Mais non, comment je dois attendre passe. Ces zombies. Voilà, et donc là, il va faire passer par ici. Mais le récupère pas, le zombie. Mais non, il arrive, le zombie de feu. Mais arrête de te rapprocher du zombie à la terre. Putain, voilà, c'est ça le problème. Ça, je m'en fous, c'est bon. Ok, donc là, les gars, attendez ici tous les trois, et quand je vous le dis, vous vous barrez derrière vous. Faut pas que le zombie de feu il soit attiré par vous, ou j'ai activé la petite poignée. Ok. Il y a une porte derrière qui est fermée. Ah, les gars, mais allez là-bas, voilà. Le zombie de feu, il est attiré par moi, il faut qu'il soit attiré par vous. Ouais. Attire le zombie de feu. C'est bon, il est là sur moi, là. Okay. Il a failli péter. Hein. Je reviens. Je suis en chaleur, les gars. Oh, yes. Bougez pas, je vais activer la poignée pour pouvoir libérer je ne sais pas. Salut Alex, bouge-toi. Oui mais les mecs aussi, pour le coup là ça se finit pas quoi. Il y a un zombie de feu là. Et tu me bloques mec. Si elle joue, c'est que c'est bon. C'est bon. On a réussi. Je vais dire ça. Ouais, voilà. Ok, alors maintenant faut faire péter. Quatrième étape, durement terminée, mais terminée. Donc, pour la cinquième étape, il vous faut acheter des spikes morts. Il en faut 4, donc il faudrait que 2 joueurs les achètent. Elles coûtent 1000 monnaies, vous avez compris. Et elles se trouvent donc dans la salle de l'électricité. Vous devez laisser, on va dire, à peu près 7-6 zombies. Parce que nous, on a eu besoin que de 3, on a eu beaucoup de chance, mais si vous l'assurez, les 6 en 7, des rampants ou des normaux. Et vous devez placer donc vos 4 spikes morts dans la grotte opposée à celle du MPL, c'est-à-dire à celle du MP5A, et il y aura des petits trous. Vous devrez donc les placer en face pour ensuite que les zombies les fassent péter et que les spikes au bout des clés morts rentrent dans leurs trous. Et une fois que les 4 pieux sont dans les trous, vous pouvez ensuite aller appuyer sur le bouton qui est sous la cascade pour terminer l'étape numéro 5. Non, mais les mecs, faut arrêter de nous bloquer sur les portes aussi parce que... Venez vite, grouillez-vous les gars, grouillez-vous. Mec, quand on est dans mes racailles, qu'est-ce que je vais faire? Pose une clé mort en face du pic, Pera. Pose la clé mort en face de ce pic-là. Le plus loin possible, le plus en arrière possible. Recule. Cette grotte a la même voie que le mur. Vas-y, fais vite. Ici, là, maintenant, en face de ce trou-là, et moi je me tue. Elles sont trop bizarres, ces clémores, elles sont la classe. C'est bon, on a le temps, les gars, vous avez le temps. Ils sont loin. Ils sont très loin. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et c'est quoi là, le but, vous les faire passer. Il y a le premier zombie, super vite. Vas-y, descends, je te l'amène. Descendez. Les gars, descendez. On attend. Faut que j'emmène ici. T'en as mis 2 à côté là. C'est normal. Prenez plus, ça va, il y a un feu. J'en ai mis un pic et un autre. Ok, il manque 2 zombies là. Ah non, ils sont noirs. J'en ai mis un piqué et un autre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que... Alors, les gars, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 2 à côté. Parce qu'en fait, il n'y a que 3. Et là, il reste plus que 2 zombies pour 3 pieux. Et normalement, s'il passe ici, il devrait activer les 2. Un qui va partir ici et un qui va partir là. Donc, normalement, je pourrais faire une double. Donc, il y a déjà un zombie qui est fait, quoi. Alex. Là, on en a fait un, ouais. Alex. Ouais. Ah, t'as fait des boîtes. Bah, ouais, mais regarde ce que j'ai trouvé dans les boîtes, t'as le PD. C'est ça qui est mort. Commence à descendre, les gars, commence à descendre. C'est bon mec, ils sont super loin les homosexuels, regarde, ils sont là. Oh mais même, faut qu'ils aillent plus vite. Après le plus chiant ça va être avec les disques.
Non, je les connais par cœur, les disques. Au niveau des marécages. Ah non, mais là c'est bon, là, c'est normal. Si Alex a 5000, on a terminé le secret très très vite. Ah ouais? Ouais. Alors venez, descendez. Vas-y, envoie tes grosses pipes, mort. Hein. Oh vas-y, envoie, moi je m'occupe de lui. Funny pipe, on connaît pas. Mais on connaît là au niveau de classe. Oh, ils sont très très lents. Mais vraiment très lents. Si j'ai fait exprès, c'est plus. Non, je rigole. C'est un peu moi qui fais les remports. Là, franchement, des zombies rapides, ça aurait été beaucoup mieux. Descendez. On a toujours les rapides. Ah, descendez. Laissez-moi gérer. Faut vraiment que je me mette le plus par la bouche. Oh, ouais, d'accord, monsieur. Oh. Ça a marché? Non. Attends, y'en a un là. Y'en a un là, ouais, c'est bon. Non, mais ça rate pas. Bon, ok, là, il manque. Il y a encore un zombie, les gars. Alors là, faut vraiment espérer avoir beaucoup de chance. Mais vraiment. Et sinon, les gars, on a qu'à tirer sur le spectre mort et ça marche pas. Ah ouais? Ouais. Et ben, on a qu'à faire. Descendez. On a qu'à faire Raya se passer, il a une tête de zombie, lui. Ouais, vas-y, je passe. venez, descendez. Je suis mort. Riyad, c'est là, putain, pète pas les couilles. J'ai été tué par la spike mort parce que je suis un zombie comme vous. Je suis sûr que c'était censé, t'es bien tout petit. Ok, putain, mais vas-y, mange toi zombie. J'ai pris une arme pour faire des points. Hein. MP5K. Ouais. Et attends, moi je te massacre. Vas-y, Alex, bouge. Oh, bah, qu'il arrive ici là pour équiper les deux. Je sais même pas si on aura le temps de faire les tapas. Ouais, il y a du bambou au bout. Ouais, il y a du bambou. Bah, c'est normal, c'est les ça. Gars, les gars, les gars, vas-y, reculez. On se barre. Allez, vas-y, viens, petit zombie. Mais magne-toi. Je sais pas, il y a même pas un singe, tu pourrais l'amener plus vite. Un singe qui tire. Pitié. Vas-y. C'est le moment où il faut prier. Ah, allez! Il y a les deux! Oui, il y a les deux! C'est bon, on peut. Et maintenant, on les mecs, j'ai géré. Hein. Toboggan, les gars, tout le monde toboggan. Heureusement que j'ai fait ça quand même. Toboggan, tout le monde toboggan vite. Mais c'est quoi le toboggan? Et c'est là où on était tout à l'heure aussi, où on fait toutes les manches. Donc là, voilà, l'étape est terminée, on a notre boule. Voilà. Il a remonté! Et oui! Étape numéro 5 terminée assez facilement. Cette fois-ci, dans l'étape numéro 6, qui va être également très très simple. Car ça va être pour moi, enfin moi je la nommerai l'étape des dalles version 2. Car au lieu d'avoir 12 dalles d'un côté, 12 dalles de l'autre et de passer dessus, il y aura au total 12 dalles réparties sur tous les murs de la map qu'il faudra trouver. Et il faudra les activer en donnant un coup de cut. Et une fois qu'on les aura toutes cutées, il suffit juste de lancer une grenade sur une pyramide en bois qui se trouve à côté de la première dalle. Je vous laisse admirer tout ça. Voilà. Là, il y a des dalles sur les murs, faut toutes les péter. Voilà. Je tombe, il faut qu'elle soit lumineuse, c'est ça? Faut qu'elle s'allume, moi, en effet. En effet, nous en sort. Allez là. Mais je sais pas, je gueule tout. Putain, je suis bloqué dans le piège. Ça va marcher au moins, tu vois. Allez. Ah, j'ai trouvé une que vous aviez pas vue. Heureusement que je suis là quand même. Ah bah, moi je cut rien. Non, ok les gars, au moment où je vous dirai chute, vous allez devoir tous vous taire, sinon je pourrais pas entendre. Ah merde. Chute. Non, pas tout de suite. 1, 2, 3, on aura du silence. Je pense que je peux faire une mini 11 ou pas. La merde, là, je... Ok. Les gars, commencez à vous taire. Mec, je fais une boîte. Non. Je sais que... Attends. Vas-y, frère. Allez, les gars, taisez-vous, je suis fat, taisez-vous. Mais non, vraiment. Attends, c'est bon, ça. Chut, je suis tombé, chut. Ok, il en manque. Il manque des dalles. Cherchez des dalles un peu partout. J'ai combien il en manque? Non. Mais à quoi tu sers alors? Ah, je peux plus avancer en fait.
Ok, d'accord, carrément. Ah, attendez, je sais un truc. Parce que faut également lancer une grenade sur la pyramide là. Mais les dalles elles peuvent être partout. Ouais. Elles peuvent être en dessous par exemple au sous-sol. J'ai trouvé où est la boîte. Ah, ok, bah c'est bon. Donc je vais nous respawn. On a réussi. Ouais. On a réussi. Sixième étape terminée également assez facilement. On arrive maintenant à l'avant-dernière étape, la septième, où, qui est extrêmement simple. Il suffit juste de taper un code par chaque roulette. Il y a quatre roulettes. Elles se situent dans le marécage. Je vous donne dans l'ordre les codes, c'est 16, 4, 16, 1, 4, 3, excusez-moi. Et je vais vous expliquer en fait à quoi c'est égal. L'espèce de C c'est égal à 10, le I c'est égal à 5 et le point c'est égal à 1. Donc logiquement 16 c'est C, I, point. Après c'est point, après c'est 3, 4 points et après c'est 3 points. Voilà. Alors là vous allez me regarder. Et je vais montrer en fait l'ordre qu'il faut mettre sur les 4 roulettes. Je sais ce qu'il faut faire. Marchez pas sur les dalles. Donc là, il faut mettre le C, le I et le 1. Sachant que le C ça veut dire 5. La barre ça veut dire. Non, le C ça veut dire 10. La barre ça veut dire 5. Et le point bah, ça veut dire 1. Faut pas marcher sur les dalles. Donc là, faut mettre 16, 1. Faut pas marcher sur les dalles. Ouais, non. Sinon, ça peut perdre. Ok, les mecs, marchez pas sur les dalles, ok. Là, faut mettre 4. 1. De... Est-ce qu'il y a les gars, faut marcher sur la dalle? Non, faut pas marcher dessus. Sauf celle-là, hop là. Et voilà. Bien joué. Donc là, on arrive à la dernière étape. Et je m'en fous, c'est moi qui prends le bonus ultime. Alors, les gars, alors. C'est moi qui je suis l'invité. Septième et avant-dernière étape terminée. On arrive maintenant à la huitième étape, la plus longue. Et la dernière. Donc, je vais pas vous montrer seulement l'étape, je vais vous montrer à partir du moment. On doit améliorer l'arme pour vous montrer tous les points où on peut, où on doit d'ailleurs se mettre pour qu'on puisse améliorer l'arme. Ensuite, on va frapper sur les gongs. Activer le mode du héros, frapper sur les gongs et puis tirer, débloquer la météorite. Retourner sur les statuettes pour activer le pack a punch, passer la météo, la dynamite. Attendre que le jour se remette en marche. Réactiver le mode nuit, puis prendre enfin la pierre de convergence. Donc, je vous revois juste après. Enfin, je vous réécoute juste après. À tout à l'heure. Prochaine étape, va falloir améliorer. Donc, Alexandre, toi, tu vas rester à côté. Alexandre. Alex. Ça va. Ça va, putain. Alex, tu vas rester. Oui. Je te dirai si tu me traces sur cette balle. Riyad, viens avec moi. J'ai pas entendu ce que t'as dit, monsieur. Je te dirai. J'arrive avec toi. Riyad, c'est Majesty venu. Sur la dalle du milieu là. La dalle des pédales. Mila, c'est Majesty, venez. Ça va, mais si on est sur enculé par des pics, hein. J'avoue, on peut rien faire. Majesty, tu te mets là. Oui, ça va, je sais. Tu restes sur les dalles. Tu restes dessus. Riyad, viens. Didias, mets-toi dessus. Riyad, viens. Je suis pas assez lourd, les gars, la dalle, je vais pas descendre, je déconne. Riyad, toi, tu te mets là. T'es un pied, toi, t'as les. Il aurait fallu prendre du Viagra, Alex. Tu te mets là-dessus et Alex, regarde les escaliers en face de toi. Tu les vois ou pas? Là, il y a un gros creux où tu peux pas monter. Attends, mais c'est parce qu'il y a la zone derrière moi. Attends, j'arrive au spawn. Vous êtes sur le dalle ou pas les deux? Bah oui. Okay. Là, quand je te dirai, tu te mettras ici et tu regarderas les escaliers en face, ok Alex? Ok. Et une fois que tu verras, dès que je te dirai, tu pourras monter sur les escaliers et t'améliores ton arme, ok? Donc, mettez sur vos dalles, mets-toi sur la dalle, Alex. Attends, il y a le zombie dessus. Vas-y. Sinon, je sais pas, je vais mourir. Bah, amène-le ailleurs. Ouais, attends. Ouais, sinon, je fais. Hey, vous pensez que si j'envoie un singe d'ici, ça va l'attirer? Non. Vas-y, Alex, bien, monte sur la dalle. Vas-y, va améliorer ton arme. Venez tous. Si, on est lâché. J'ai amélioré ma fumasse. Mais non. Alex. Non, Alex. Il est pas sérieux. Alex. Ah non, ça va. Alors, donc, maintenant, il suffit juste que vous venez avec moi. Venez avec moi, là, tous les trois. C'est super urgent. Là, attends, 4 secondes. Alex, viens. Alex.
Ouais, je suis là. Elias, voilà. Alors, venez, suivez-moi. Venez, venez, venez. Ah oui, non, c'est chiant. Mais je connais, venez, venez, venez. Elias, viens. Vas-y, Majesty, tu restes en face de lui, quand je te le dis, tu le cut. Ah oui, on va devoir faire chacun notre tour, ouais. Ça va être drôle. Venez, venez, venez. Ah oui. Deux. Pas lui. Je peux écouter le son, le bon son. Vas-y, Alex, lui, Léakis, tu restes là. Ok, parce que toi. Quand je te le dis, tu le cut. Vas-y, si bien, viens avec moi. Non, 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 non. Non, 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 au secours les gars, chut, je suis mort. Taisez-vous, taisez-vous. Je suis mort les gars, je suis mort les gars. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et viens, Alex. Mais non, mais Greg, t'as pas vu comment c'était, donc c'est toi. Merci. Voilà. Passé? Alors, Alex, ouais. quand je te le dis, tu vas cutter ça, enfin. Non. Pas tout de suite, ce sera après. Faut juste qu'on. Vous êtes en face de votre gong ou pas, les gars? Ouais. Ouais. Attendez. Pas bon. Pas bon. Et donc, lui, normalement, il est bon. Qui a quitté? Personne. Ah, c'est Alex. Putain. Mais qu'est-ce qu'il a encore, lui, a bugué? Non, il a bugué. C'est pas grave. Venez, venez au spawn, venez au spawn. Tout le monde au spawn. Alex? Ouais. Ah, t'as lagué? Non, j'ai switché son iPhone. Oh. Ah, venez au spawn, venez au spawn. On a réussi? Non, faut mettre la nuit maintenant. Venez au spawn. Ah. 3, 2, 1, go. Oh, allez, à vos gongs, allez, tout le monde à vos gongs, tout le monde à vos gongs. Ah, tu sors de mes gongs, là. Et alors, je vous le dis, vous êtes à vos gongs? Ouais. Ouais. Ok, vas-y, commence Majesty. C'est bon? Léakis. C'est bon. C'est bon, Alex. C'est bon. Ok, alors maintenant, attends, moi je connais Alex. Ouais. Et nous, on reste là, t'es con. Ouais. Alors, Alex, tu vas tirer. Tu vas devoir tirer sur la boule qui est là-haut, celle-là. Ok. Tire. Avec ton arme. Voilà, maintenant viens. Et Alex. Là où on est. Et là tu tires sur celle-là. Vas-y. Ah oui, pour faire tomber la dynamique. Voilà. Qui l'a? Ah, c'est moi qui l'a, c'est parfait. Ah, ok, alors maintenant tu retires sur celle-là, Alex. On a fini le setup ou quoi? Non, Alex, viens. Tire sur celle-là, là. C'est qui là-bas? Ouais, non, celle-là, là-haut. D'accord. Elle? Là-haut! Oui, celle-là, oui. C'est où? Et voilà, et maintenant viens là. Viens là où je suis. Non. Ok, faut retaper à vous. Putain. Allez-y vite. C'est bon. Attendez. Aïe. C'est bon. Ok, vas-y, moque-moi. Tu te souviens ou pas, Alex, la première que t'as tapé? Bah celle juste avant, celle que t'as tapé en dernier. Ouais. Bah tiens, je sais que ta dernière en tape en à côté de la lumière bleue. Ouais. Alors maintenant viens là où je suis, derrière toi. Viens vite. Voilà, et là tu vas devoir tirer sur celle-là. Vas-y. De comment? Exactement. Retire, ouais, vas-y. Va retirer sur celle la première. Celle avant là. Ouais. Une fois. Pourquoi elle se baisse pas? Non, une fois, voilà. Et là maintenant tu tires en fait sur celle-là. Sur celle-là. Là. Des moignons. C'est dégueulasse. J'avoue. Ça fait pas me tomber. C'est bon? Et là tu as tiré sur celle de la météorite. Ah, c'est bon! C'est bon les gars, ouais. On a fait le secret ou voilà, quoi? Voilà, maintenant faut activer le pack punch. Donc on se remet au même endroit, tu sais, les grosses dalles. Ok, bah viens avec moi. On a fini? Quasiment. J'espère. Je prendrai... Non, c'est moi qui le prends. Non, c'est moi.
sur la vidéo. On le refera, mec. Vas-y, Attends, Gaston, moi je suis loin. C'est Ilias, bon. Tu vas au spawn, toi. Ah bon? C'est, bah, celle en face. Et vous m'attendez tous. Ah non, oh, mec... mets-toi là, Alex. Mets-toi là et viens au spawn, comme je te dis. Parce que c'est moi qui ai la dynamique. Vous êtes sur votre. Non. 4 secondes, moi je suis loin. C'est super bon. Ah, là, c'est bon. Je suis Placez-vous. Et là, quand je vous dis, vous venez tous au spawn. Venez tous au spawn, tout le monde au spawn, vite. On pourrait créer un passage si on avait voilà, la dynamique. Voilà, la voici, la pierre. Attends, Gaston, je suis loin, moi. Nous ne risquons pas d'aller plus loin. J'en avais dans mon sac. Bah, pourquoi c'est la dynamite, je sais pas. Vous appuyez sur carré plein de fois, donnez des coups de couteau. Ok. Donc, donnez un coup de couteau et vous allez pouvoir la voir. Et après, on a intérêt à se tirer d'ici. Bien sûr. Je veux simplement voir l'intérieur. Ça va rien faire. Allez, go les mecs. Attendez, tire. Donc on a eu beaucoup de chance, c'est pour faire le secret. Attendez, ah c'est bon, j'ai plus la dynamite. Et quand je vous le dis, donc là on va se remettre, on va commencer à vous mettre là. Mettez-vous là. Et quand je vous le dis, on va se remettre sur les mêmes balles. Et je prendrai la pierre pour montrer. Normalement, vous allez recevoir un succès de 75G, vous allez me dire. Mais mec, on a pas eu de chance, on a eu la classe, non? Vous trouvez pas qu'on a géré? Ouais, je vois, on a géré. Ouais. Les gars, 3, 2, 1, on se remet au même endroit. Allez-y, vite. Riyad, tu peux passer par un coup là. Riyad, passe par là, Riyad. Pas trop tard. C'est important que ce soit la nuit, non? Non. C'est bon, on a terminé le secret. T'as tous les atouts, Greg? Non, je les aurai dans exactement 3 secondes. Quand tout le monde sera sur les dalles. Attends qu'elle tourne. Je vais vite, me mettre sur... Vite, elles ont dit, fais vite. Mec, c'est super loin, c'est bon. C'est bon. Ok, je peux pas, y'a zombie. Ah, restez là. Ah, c'est pas bon. Restez sur vos dalles. Ouais, dans 5 minutes. Mais... Ouais. Voilà. Donc, j'ai enfin 16 pierres de merde. Et vous allez me dire si vous recevez un succès dans 3, 2, 1. Hop là, vous avez pas un succès? Ouais. Voyageur du temps. Voilà, donc j'ai les 16 atouts infiniment. Maintenant, je peux mourir, je m'en fous totalement. J'ai débloqué une image de joueur. Celui-là, moi, je l'ai. Les gars, vous allez me réanimer. Il faut juste que je montre à la caméra que j'ai, enfin, aux gens qui regardent la vidéo, que j'ai tous les atouts. Et voilà, donc, réanime-moi. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai encore tous les atouts. Merci. Alors franchement, un gros merci à Sidias. Un gros merci à Riyat. Riyat. Oui. Ah, je te remercie, tu peux me dire... Ah, c'est gentil. Et donc à toi également, Majesty. Ok, bye tout le monde. Bye. Donc voilà, vous connaissez maintenant l'intégralité du secret de la map zombie Shangri-La qui se trouve dans le pack Annihilation de Call of Duty Black Ops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, moi j'ai passé un grand plaisir à le faire. Comme j'ai dit, comme je l'ai écrit en début de vidéo, c'est normal hein, qu'on va dire que j'insulte un peu, que je m'énerve un peu, mais j'étais stressé, je voulais absolument la faire cette vidéo. Ça faisait exactement 3 semaines que je cherchais des joueurs. Car comme j'ai dit, il faut impérativement être 4. On était 4, on a enfin réussi, on a eu beaucoup de chance parce qu'au total, on a réussi en 38 minutes et je suis vraiment super content. Donc n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Dr. Sidias qui m'a été extrêmement utile, celle de Majesty et celle de Riot, s'il en a une, je ne le sais pas. J'espère une nouvelle fois que CodeCF prendra cette vidéo. Allez voir la chaîne quand même, s'ils ne prennent pas ma vidéo, ils font des... les gens qui leur envoient des vidéos font des trucs assez sympas. Et voilà, donc moi je vous dis encore une fois un grand merci. Faites la formule qui j'aime, plus commentaire, plus favori, plus s'abonner à ma chaîne ainsi qu'à celle, le code CF et celle de mes amis. Lire la description est très importante et moi je vous dis à très bientôt.